À tous les auditeurs, Madame Nouria Ben Rabli Trimaoun, bonjour. Bonjour. Alors, c'est la reprise de l'école aujourd'hui pour un deuxième et troisième trimestre qui vont être très courts. Votre préoccupation aujourd'hui, préparer les examens de fin d'année et vous êtes catégorique pour le baccalauréat, plus de seuil, l'ataba. Mais toutefois, vous n'avez toujours pas tranché sur les trois éventualités. Fiche de synthèse, le rachat ou la deuxième session. Où est-ce que c'est fait déjà, Madame Trimaoun? Merci pour votre invitation et bonne année à tous nos auditeurs et en tout cas une bonne rentrée à tous nos élèves et à nos enseignants. Alors pour ce qui concerne les propositions qui avaient émané de la rencontre qui avait eu lieu, notamment la conférence nationale en juillet, des propositions effectivement avaient été faites et nous sommes allés sur la proposition qui avait le moins d'incidence en fait sur le baccalauréat, d'un point de vue général, au niveau de l'organisation. Et ce pour lequel nous avons opté, c'est la valorisation du travail continu de l'élève. Comment faire en sorte que cet élève puisse rester jusqu'à la fin de l'année au sein des cours et ne pas sortir comme cela se faisait à partir du mois de mars. Et pour cela, nous avons pris en ligne de compte la fiche d'évaluation, donc du travail continu de l'élève, qui va compter pour ceux qui ont le baccalauréat, c'est-à-dire pour ceux qui ont 10 et qui ont très bien travaillé durant l'année scolaire, ils leur seront comptabilisés dans cette note finale au niveau du baccalauréat. C'est la résultante des consultations menées durant l'été, valoriser le travail de l'année. Donc la fiche de synthèse, Madame Trimaoun, c'est l'option que vous retenez. Voilà, pour c'est cette année. Option, tout en disant que pour ce qui concerne l'enseignement secondaire, d'un point de vue général, la réflexion sur l'évaluation de l'enseignement secondaire se fera à partir de janvier et qui aboutira au mois de juillet à une conférence nationale. Donc les véritables changements au niveau de ce cycle se feront à partir de la réflexion que mèneront tous les acteurs de l'éducation à partir du mois de janvier 2015. Donc, ça y est, pour cette année, c'est la synthèse, la fiche de synthèse qui est retenue. Oui, tout à fait. Pour ceux qui auront moins de 10 lors des épreuves du baccalauréat? Alors, écoutez, cette année, ce qui est important, c'est de considérer que ceux qui avaient le baccalauréat, c'était ceux-là qu'on devrait soutenir parce que durant l'année, certains font un travail extrêmement important et il y a une sorte de difficulté ou de stress qui peut se poser dans le cadre d'un certain nombre de matières et nous encourageons ceux qui travaillent. Mais pour l'avenir, est-ce que la deuxième session du baccalauréat pourrait être une option qui serait retenue par votre secteur, Madame Trimaoun? Alors, pour cette décision, bien évidemment, non seulement il faut une réflexion d'ensemble, mais il faut également la soumettre au pouvoir public. Parce que vous savez bien, le coût qu'engendre l'organisation des épreuves du bac dans notre pays. Alors, pour le cycle primaire, est-ce qu'il y a une option qui a été retenue? Ça y est, il n'y aura plus jamais la deuxième session de sixième année primaire. Alors, il y aura aussi d'autres réformes qui vont être engagées à partir du primaire. Alors, pour ce qui concerne la deuxième session, pour l'examen de cinquième année, vous savez, ce sont les résultats qui ont fait que l'organisation de cette deuxième session aboutissait à très peu de résultats, excusez-moi de répéter le mot, et c'est pour cela que la décision de supprimer cette deuxième session a été prise lors justement de la conférence nationale dont l'objectif était l'évaluation du cycle obligatoire, donc le primaire et le moyen. Sur la base de cette rencontre, de cette conférence nationale, un certain nombre de décisions importantes ont été prises. Alors, la première a été, la question de la révision de la première et de la deuxième année primaire, en ce qui concerne non seulement les programmes, mais également quelque chose qui va aujourd'hui être porté à la réflexion, qui est le rythme. Comment organiser en fait l'année scolaire? Là, il y a eu beaucoup de demandes en fonction des régions, en fonction du contexte socio-géographique. Fallait-il aller finalement à la même rentrée, aux mêmes horaires pour l'ensemble des écoles du pays? Là, un dossier vient d'être finalisé, il va être soumis à débat pour justement prendre les mesures nécessaires d'adaptation par rapport au contexte. Alors, mais qu'est-ce qu'il comporte justement ce dossier qui est finalisé aujourd'hui, Madame Trimaoun? Alors, la décision la plus importante, c'est la réécriture des programmes. Donc beaucoup de critiques ont été faites sur les programmes en cours aujourd'hui dans le système éducatif.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ce programme date depuis les années 2003. Alors, ces programmes, depuis 2003, ont été élaborés avant même la loi d'orientation qui, elle, est venue en 2008. Donc, ces programmes qui ont été élaborés dans l'urgence, dont la Commission nationale des programmes a reconnu un certain nombre de difficultés, et la Commission nationale des programmes, entre 2003 et 2007, a réalisé 206 programmes scolaires avec des documents d'accompagnement. Donc je crois que le contexte dans lequel ces programmes ont été élaborés se sont faits dans un contexte d'indisponibilité d'un document définissant les orientations globales de la réforme. Mais c'est la réforme de la réforme ou il y a d'autres aussi changements qui vont être opérés, Madame Remaoun, dans la réflexion que vous êtes en train d'engager actuellement pour les secteurs? Ce que je peux dire, c'est plus en fait des ajustements qu'une réforme de la réforme. La réforme de la commission qui a été installée par M. le Président de la République, c'est ça les principes fondamentaux sur lesquels on s'appuie, qui a été concrétisé avec la loi d'orientation. Mais encore une fois, vous voyez les dysfonctionnements des programmes réalisés avant la loi d'orientation, l'inexistence de guides méthodologiques, l'absence de formation préalable des enseignants à ce programme. Alors aujourd'hui, il y a eu la consultation nationale donc, qui s'est déroulée en 2014. En 2009, la Commission nationale des programmes elle-même avait élaboré un argumentaire pour la réécriture des programmes. Nous sommes en plein donc, dans cette phase. Mais quand ces réformes ou ces changements vont être opérés, pour quelle rentrée? Pour la prochaine, Madame Remaoun? Non. Alors, pour ce qui concerne la réécriture des programmes, les résultats vont être donnés donc en 2015-2016. Et pour cette année scolaire 2015-2016, ce que nous allons avoir, c'est pour la première et la deuxième année du primaire et la première année moyenne, nous aurons mis en place les nouveaux programmes. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que au mois de mars, le cahier des charges nécessaire pour ces nouveaux programmes vont être lancés pour donner la possibilité d'un minimum d'une année pour que les manuels puissent être rédigés conformément aux programmes qui ont été mis en place. Avec la suppression de la deuxième session de la cinquième année primaire. Toujours, oui. La formation des formateurs, c'est un axe essentiel aussi pour vous, Madame Remaoun, puisque vous avez déclaré déjà que pour le recrutement, pas d'austérité pour le secteur de l'éducation nationale. Les besoins sont estimés à peu près à 7000 enseignants dans les trois cycles et les concours se dérouleront dans les délais, à savoir au mois de mars prochain. Oui, tout à fait. Vous savez, le secteur de l'éducation est un secteur stratégique. C'est le secteur où nous n'avons pas aujourd'hui à nous poser la question si l'investissement va être rentable ou pas. Il est parce qu'il forme les générations futures et c'est avec l'éducation et avec la formation que l'on pourrait préparer en tout cas notre économie. Alors pour ce qui concerne la question que vous avez posée, qui est relative à la formation des formateurs, c'est un axe essentiel. Et ils n'ont pas eu de vacances déjà, de toute façon, bon, les enseignants. Tout à fait. Alors ceux qui ont été recrutés, en tout cas au mois de juillet, ont eu une formation déjà un stage d'imprégnation au mois d'août, ont eu une formation ces 15 jours, et pour les vacances également du mois de mars, il y aura une continuité dans la formation. Alors cette formation va porter bien évidemment sur la gestion de la classe, va porter également sur la problématique de la réglementation scolaire, elle portera également sur la capacité de médiation aussi au sein de la classe, parce qu'aujourd'hui, comme vous voyez, les changements étant extrêmement nombreux, il est urgent que les enseignants puissent avoir une compétence en matière de gestion des conflits au sein de la classe. Beaucoup de questions pour cette deuxième partie, Madame Nouria Benrabrit Remaoun. Je voudrais revenir encore sur la formation des enseignants. Comment l'améliorer concrètement aujourd'hui pour être plus efficace et améliorer de ce fait la qualité de l'enseignement dans nos écoles? Alors, vous avez bien raison d'insister sur la formation des enseignants parce qu'en fait, c'est la clé de voûte de la réussite de l'école et c'est aussi la clé de voûte pour le passage à la qualité qui aujourd'hui est un droit onusien pour les élèves, le droit à un enseignement de qualité.
Alors, ça a commencé déjà avec, avec le principe de recruter, bien évidemment, des futurs enseignants titulaires d'un diplôme universitaire. Et ce diplôme universitaire, aujourd'hui, avec les formations que nous sommes, que nous avons engagées à tous les niveaux, vont leur permettre d'être, en tout cas, d'être accompagnés, aussi bien dans des stages pratiques, avec un encadrement par les inspecteurs, de revenir à ce qui existait au préalable, les fameuses journées pédagogiques, où on parlait des problèmes, en tout cas du quotidien, et la gestion, formée à la gestion de la classe, est aujourd'hui un élément de réussite. Alors, le cycle du secondaire, pour son évaluation, vous allez l'engager dès ce janvier, Madame Rémao, pour apporter les ajustements nécessaires. Oui, tout à fait. Alors, ça a été fait donc, pour le cycle obligatoire, primaire et moyen, et je peux vous dire que la consultation, qui a duré pratiquement plus de 4 mois, a abouti à plus de 317 recommandations, dont plus de 200 sur la question des programmes. C'est pour ça que l'urgence de la réécriture s'est imposée, donc quasiment de manière naturelle, au secteur. Pour ce qui concerne l'enseignement secondaire, c'est un petit peu plus compliqué, puisque l'enseignement secondaire prépare non seulement à l'entrée à l'université, mais également doit préparer, via la formation professionnelle, à l'adaptation au monde social et économique. Donc, cette réflexion, selon une méthodologie qui va être mise en place, démarrera à la fin janvier. Alors, mais vous donnez combien de temps pour mettre en place tous ces ajustements nécessaires aujourd'hui pour améliorer la qualité de l'enseignement, Madame Rémao? Parce que ça fait quand même plusieurs années, on est tout le temps dans une réforme, au cœur de la réforme. Oui, parce que dans le secteur de l'éducation, si vous introduisez aujourd'hui des changements, par exemple en première année, les vrais résultats, vous allez les collecter au bout d'une dizaine d'années. Parce que quand on rentre dans un système, objectif, c'est qu'il y ait une préparation à cet environnement, qu'il y ait une préparation à un certain nombre de compétences, et les compétences acquises ne peuvent l'être qu'au bout d'un long cycle de formation. C'est pour ça qu'on se trouve parfois impatient en disant que les changements, nous ne les voyons pas immédiatement, mais c'est le propre justement de la formation qui se construit sur la base d'une accumulation de savoir, une accumulation de formation, et c'est au bout d'une dizaine d'années que vous pourrez alors là évaluer le produit du changement. Est-ce qu'on est dans un principe d'une halte pour réviser, pour revoir et corriger? Puisque la réforme a été engagée depuis 2003, à 2003 aujourd'hui, est-ce qu'on en a fait déjà une évaluation? Ah oui, tout à fait. Et je peux vous dire que cette évaluation s'est faite quasiment de manière permanente. C'est aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a eu des changements qui ont été introduits, mais peut-être que ces changements ne sont pas encore visibles. Mais est-ce que vous avez la ressource nécessaire pour pouvoir mener à bien tous ces chantiers, Madame Rémao? Toute la question se pose à ce niveau-là. Ressource et les compétences nécessaires. Je peux vous dire que dans le secteur, il y en a beaucoup. Certains sont partis en retraite, mais ont marqué leur disponibilité. Je reçois non seulement du coup de téléphone, mais nous avons également des offres de services par courrier sans contrepartie aucune. Je crois que quand on rentre dans le système, il laisse des traces, et nous avons aujourd'hui dans le système éducatif beaucoup de potentialités, souhaitant justement être reconnus et être mobilisés pour aboutir et aller vers ce saut qualitatif que nous espérons tous. Mais justement, par rapport à ces changements que vous opérez, la place du privé dans le système scolaire aujourd'hui, Madame Rémao? Oui. Alors, la place du privé, il est encore extrêmement faible, puisque c'est moins de 1% du nombre d'enfants scolarisés dans le système d'éducation. Et nous considérons qu'il y a de la place pour qu'il y ait des investissements dans ce secteur, des investissements qui puissent se faire selon un cahier des charges précis, bien évidemment. Là aussi, nous avons ouvert le dossier, puisque le cahier des charges tel qu'il fonctionne actuellement ne prend pas en ligne de compte l'ensemble des éléments, dont cette obligation de résultat. Vous savez que nous avons un établissement, ils ne sont pas très nombreux en tout cas, mais nous avons eu un établissement qui a obtenu 0% de réussite au bac, et ça, c'est une situation que l'on retrouve nulle part ailleurs.
quel que soit le lycée dans lequel on se trouve, dans n'importe quel coin du pays, le minimum, ça a été entre 15 et 20%. Et pourtant, dans le secteur privé, nous avons un établissement qui a eu 0%. Donc nous souhaitons, dans le cadre du cahier des charges nouveau que nous sommes en train de travailler, introduire l'obligation de résultat au moins un minimum. Mais qu'est-ce qui stipule le nouveau cahier de charges que vous allez mettre en place, Madame Rebaou? Alors, il est en train d'être travaillé. Nous sommes en discussion aussi avec avec des associations et avec des personnes qui ont ouvert des établissements privés. La chose qu'ils sont en train de demander, c'est que pour ouvrir une école privée, peut-être qu'il ne faille pas tout le temps demander un registre de commerce, se considérant eux comme n'étant pas des commerçants lorsqu'ils investissent dans le champ de l'éducation. Donc je pense qu'est une problématique pertinente et qui mérite en tout cas d'être discutée. L'obligation qu'il aurait faite aussi d'enseigner le programme national, impérativement et obligatoirement. Ça, ils le font. Même si nous reconnaissons, à travers un certain nombre d'inspections qui ont été menées, que certains établissements établissent le double programme. Et là, il va falloir peut-être un peu plus de contrôle, un peu plus d'investissement des parents. Mais ce qui nous importe en premier lieu, effectivement, c'est que le programme national soit la référence au niveau de ces écoles. Alors, vous gérez un secteur extrêmement sensible, Madame Rémaoun, miné de façon conjoncturelle par des conflits, comme mettre fin aujourd'hui à tous ces conflits aujourd'hui qui surgissent et qui perturbent durement l'année scolaire. Alors, en toute sincérité, ce ne sont pas les conflits qui perturbent, mais leur mode. En tout cas, leur mode de résolution. Ce que nous avons constaté, c'est l'usage quasi permanent de la grève pour poser un problème. Et là-dessus, depuis que nous sommes arrivés, en tout cas, je n'ai pas arrêté d'être en concertation permanente avec eux. J'ai énormément appris, je le reconnais, parce que c'est un autre angle d'approche de la question de l'éducation, notamment de la situation des personnels d'enseignement. Et sur cette base-là, ce qu'on peut dire, il y a eu des progrès quand même gigantesques. Il y avait dans le comité ad hoc qui avait été installé à l'époque, notamment en février, sur 36 revendications qui avaient été posées, 34 ont été satisfaites. Et sur les 34, je peux vous dire qu'il y en a encore une qui a été satisfaite et qui concernait les intendants. Donc aujourd'hui, je pense qu'on pourrait ensemble, en tout cas le débat est ouvert avec eux, pour qu'on puisse s'engager dans une sorte de pacte, pour qu'on puisse continuer à discuter des problèmes, à essayer de résoudre tout ce qu'on peut résoudre. Je donne l'exemple de la médecine du travail. Je vais aujourd'hui à Ain Defla et ensuite à Chlef. Parmi les points de visite, ce sont les espaces qui vont être réservés à la médecine du travail. Donc, j'en fais, en tout cas au niveau du secteur, la problématique de la médecine du travail, c'est notre problématique, et nous allons, en tout cas, durant ce semestre, ouvrir, avec le soutien du ministère de la Santé, des centres de médecine du travail. Donc on peut régler les problèmes sans aller vers, c'est-à-dire des solutions extrêmes, à savoir la grève, pour perturber l'année scolaire. Voilà, moi j'en suis absolument convaincue. Parallèlement à ça, vous allez mettre en place l'Observatoire de l'éducation et de l'enseignement supérieur, un dispositif qui existe par les textes, mais qui n'est toujours pas en vigueur. Alors, c'est l'Observatoire de l'éducation et de la formation, donc qui concerne donc l'ensemble du système. Et cet observatoire existe effectivement à travers les textes. Je pense que nous allons avoir la possibilité de le mettre en place dès janvier. Vous savez, c'est plus une question de choix, de sélection, de disponibilité de la ressource humaine plus qu'autre chose. Alors, 7000 enseignants vont être prochainement recrutés. Les concours auront lieu dans les délais, vous l'avez annoncé, à savoir le mois de mars prochain. Mais est-ce que c'est suffisant pour combler un peu le déficit en enseignants à travers tout le territoire national, notamment les enseignants en langue, à travers au niveau des hauts plateaux et du sud du pays? Alors, les 7000 postes que nous allons ouvrir au concours pour le mois de mars sont les premiers postes. C'est à partir de janvier, avec les évaluations au niveau des conférences régionales des directions de l'éducation, que l'on pourrait
identifier de manière précise les besoins pour l'année scolaire suivante. Donc, ça va être. Mais est-ce qu'on a une estimation du déficit en enseignants déjà? Est-ce qu'on a les chiffres? Est-ce que vous avez une idée du manque? Ce qui est sûr, c'est 7000. Ce qui est sûr, c'est 7000. Ceux-là, ils sont dans le pipe déjà. Ceux-là, ils sont dans le pipe. Et nous pensons en tout cas qu'on pourrait presque arriver au double. Alors, vous savez, il y a une mesure pour le. Vous n'êtes pas concerné par l'austérité? Alors, je pense que le gouvernement considère que le secteur de l'éducation est un secteur prioritaire. Il ne peut pas y avoir de classe sans enseignants. Il ne peut pas y avoir d'ouverture d'école, ni de collège, ni de lycée, sans qu'il y ait cet accompagnement essentiel qu'est le corps enseignant. Mais justement, aussi. Par rapport aux ouvertures des classes, il y en aura encore davantage pour votre secteur, pour les années à venir, puisque nous avons relevé que par rapport justement à la surcharge des classes, c'était le problème de la réalisation des infrastructures nécessaires pour accueillir les élèves. Oui, tout à fait. Nous avons programmé un certain nombre d'établissements pour leur ouverture. Et il est vrai que la surcharge a concerné essentiellement des lieux où ces établissements n'ont pas été inaugurés. Alors, nous avons des taux d'avancement qui sont pour certains très bons, pour d'autres pas du tout. Nous avons tenu une réunion avec le ministre de l'Habitat au niveau du ministère de l'Éducation nationale et nous avons élaboré vraiment une liste de priorités. Et je peux vous dire qu'il y a même un conseil interministériel sur la préparation de la rentrée scolaire prochaine. Bientôt, le conseil? Oui. Madame Nouria Benrabli Tremaoun, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin.